la philosophe Edith Stein et le prince Vladimir Gicke. Élisabeth de Miribel, qui a eu une importante carrière diplomatique, a publié deux importantes biographies, comme « L'or purifié par le feu », une vie de la brillante philosophe juive Edith Stein, qui, convertie au catholicisme, devint carmélite, fut arrachée à son cloître par les nazis, déportée et gazée à Auschwitz en 1943, et « La mémoire des silences », qui rappelle les exploits du prince Vladimir Gicke, né à Constantinople et qui devint prêtre catholique pour aider les plus pauvres. Il fut torturé par la police communiste et mourut de faim et de froid à Bucarest en 1954. Élisabeth de Miribel est interviewée par Marcel Brisebois. Élisabeth de Miribel, en plus de votre carrière de diplomate, vous avez mené également une carrière d'écrivain. Et je pense que ce n'est pas rare que les diplomates soient écrivains, que les deux se trouvent mêlés. Mais vous, vous avez choisi de parler des témoins de Dieu, ce qui est peut-être plus rare. Oui. Pourquoi les témoins de Dieu ? Bien, j'ai commencé par Edith Stein, parce qu'on m'avait apporté sa vie quand j'étais au Carmel, c'était pas connu en France. Et alors j'ai commencé par elle, qui était vraiment un témoin de Dieu. Puis ensuite, après le livre où j'ai raconté l'histoire un peu avec De Gaulle, j'ai écrit un livre sur Vladimir Gicke, qui lui est venu à l'église de l'orthodoxie et qui est également un témoin de Dieu, qui est mort plus ou presque comme un martyr dans les prisons roumaines en 54. Et vous vous préparez à écrire une autre biographie, je crois. Oui, j'ai essayé d'écrire la vie de Giorgio Lapira, qui était maire de Florence et qui était aussi un témoin de Dieu, dont la devise était « espérer contre toute espérance » et qui a réuni, qui avait des quantités de rencontres à Florence qui n'avaient jamais existé avant. Et c'est plus difficile pour moi parce que je parle moins bien l'italien. L'allemand et l'anglais, ça ne pose pas de problème. Enfin, j'espère que j'y arriverai. Alors, si nous parlions d'abord d'Edith Stein, oui, qui a été canonisée par Jean-Paul II... Oui, j'étais la canonisation. ...en mai 87. C'est une canonisation qui a quand même fait beaucoup de bruit. Oui, parce qu'il y a eu toutes sortes de résistances, même de la part de certains catholiques, en disant que cette béatifiée... Il a été béatifié et déclaré martyr. Mmh. Donc, elle est sainte. Et on a pensé que ça creuserait davantage encore le fossé entre juifs et chrétiens. Parce que Edith Stein était juive. Parce qu'Edith Stein était juive et parce que du côté de certaines communautés juives, on dit qu'elle est morte non pas parce qu'elle était au Carmel et comme religieuse, mais parce qu'elle était juive comme des millions d'autres juifs. Et pourquoi distinguer les... On accusait l'Église catholique de reprendre Edith Stein à son compte. D'en retirer une, n'est-ce pas, une parmi les autres. C'est complètement idiot parce qu'elle était des deux. Mm-hmm. Elle était profondément juive. Elle avait perdu la foi, puis retrouvée une foi profonde après sa conversion, mais enfin, étant elle-même carmélite et déjà professe au Carmel, quand elle apprend la mort de sa mère, qui avait très très mal supporté son entrée au Carmel, et qui était restée de longs mois, sinon deux années sans lui écrire, quelqu'un a dit, mais sans doute votre mère s'est convertie au dernier moment, et je ne réponds certainement pas, elle est restée fidèle au Dieu de ses pères, et je la prie, elle, carmélite, de m'aider à aller jusqu'au bout de ma vocation. Donc il n'y a jamais eu confusion, elle a approfondi, c'est quand même, le Fils de Dieu était juif, et la Vierge aussi, c'est par Israël qu'est venu le salut. Et alors si nous parlions de cette Edith Stein, qui donc est une jeune Allemande, juive... Oui, juive, très intelligente, élevée à Breslau, par une mère ayant perdu son père toute petite, et qui ensuite s'est passionnée, a trouvé son épanouissement intellectuel auprès de Husserl. Le philosophe. La phénoménologie, oui. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de méthode scientifique d'aller jusqu'au fond des choses, et c'est là où elle a connu Husserl, dont elle a été longtemps l'assistante, et un adjoint d'Husserl, le professeur Reinhardt, qui lui, au moment de la guerre de 14, a demandé le baptême avec sa femme. Ils ont été baptisés dans l'église protestante. Et Edith Stein était très liée avec ce ménage, et quand le professeur Reinhardt est mort, sa femme a fait appel à Edith Stein pour classer les papiers. Edith Stein est arrivée, laissant Husserl Fribourg en Brisgau, s'attendant à trouver
cette femme complètement écrasée par la souffrance, et c'était sa première rencontre avec une souffrance chrétienne, c'est-à-dire qu'Anna Reinhardt était évidemment très douloureuse, mais qu'elle avait une sérénité, une paix intérieure qui lui venait de sa foi. Ça a été le... Edith Stein l'a dit longtemps après un prêtre, c'était sa première rencontre avec la croix du Christ et la lumière de la croix. Et à ce moment-là, c'était le premier pas vers sa conversion. Ce témoignage. Ce témoignage de ce qu'est enfin, la paix du Christ à travers la croix. Mais Edith Stein n'était pas une élève comme une autre. Non, elle était remarquablement intelligente. Et Husserl la tenait pour sa meilleure élève. Et alors, à la suite de ça, ben, elle a continué. Elle travaillait avec une grande intensité. Elle a continué. Et elle avait une amie, Madame Conrad Martius, philosophe comme elle, qui elle également est devenue, s'est convertie. Elle a été baptisée elle aussi dans l'église protestante. Et Edith Stein, qui avait mis un peu entre parenthèses cette première rencontre, mais qui l'avait marquée, pendant les vacances d'été chez Edwige Conrad Martius, est tombée un soir, elle était seule, sur une vie de Sainte Thérèse d'Avila, qui était dans la bibliothèque, dont j'ai su plus tard que c'était un livre qui avait été prêté à Edwige Conrad Martius. Elle l'a lu toute la nuit. Et là, alors, elle a été bouleversée. Le lendemain, elle a dit c'est la vérité. Elle a acheté un catéchisme, un missel. Elle s'est elle-même instruite. Et elle a été ensuite trouvée un prêtre pour demander le baptême. Qu'est-ce que ça représentait pour Edith Stein, philosophe, adepte de la pensée husserlienne, de demander le baptême? Je pense que la pensée husserlienne, c'était qu'il fallait toujours aller jusqu'au fond des choses. Donc, elle a peut-être lu ce livre sur Sainte Thérèse d'Avila pour savoir ce qu'était le fond d'une mystique, mais elle a découvert beaucoup plus, elle a découvert la foi. Alors, comme c'était une personne à la fois très intelligente et très radicale, elle a demandé le baptême, et à partir du baptême et de la confirmation, elle est entrée dans la profondeur de l'Église, elle allait tous les jours à la messe, elle communiait tous les jours, elle avait des longs moments de prière, et dès ce moment, elle a voulu tout quitter pour entrer dans un monastère. Mais cette conversion a été quand même un drame pour l'entourage de Edith Stein. C'était un drame pour sa mère, qui était une juive profondément religieuse et qui a trouvé que c'était une trahison. Mais enfin, Edith Stein n'a pas reculé, elle a été elle-même prévenue. Edith Stein dit que sa mère, à travers les pires épreuves, avait toujours eu un courage extraordinaire, n'avait jamais montré un signe de défaillance, et c'est la première fois qu'Edith Stein a vu pleurer sa mère quand elle lui annonçait sa conversion. Mais au plan philosophique aussi, il va se passer quelque chose, parce que à ce moment-là, Edith Stein va quitter, si j'ai bien compris ce que vous nous racontez dans votre ouvrage, comme l'or purifié par le feu, Edith Stein va connaître aussi une évolution intellectuelle. Elle va s'éloigner de la pensée de Husserl pour rejoindre le thomisme. Oui, elle va essayer d'éclairer la pensée de Husserl à travers le thomisme. Elle a été... On a 8 ans professeur chez De Meckel de Spire, elle a traduit le traité De Veritate de saint Thomas et elle a essayé d'éclairer cette recherche de Husserl à travers le thomisme. Mais Husserl a gardé pour elle un très très grand respect. Il l'a trouvé, même au moment de son entrée au Carmel, qu'il n'a pas compris, il a toujours eu un très très grand respect pour Edith Stein. Ils n'ont pas été antagonistes. Elle a essayé d'approfondir la pensée de Husserl à la lumière de saint Thomas. Mais l'entrée au Carmel. L'entrée au Carmel, c'est-à-dire qu'après avoir été longtemps professeur à Spire, elle était nommée à Münster dans un institut de pédagogie où elle avait un très grand rayonnement, formé des professeurs, où elle a rencontré l'abbé de Beuron, dont Walser, qui était un des abbés qui a résisté dès le début à Hitler. Il y avait une résistance catholique. Edith Stein a toujours été très profondément persuadée que Hitler, c'était le mensonge et la corruption de l'Allemagne. Dès le début, elle a toujours lutté contre Hitler, de même qu'elle avait lutté comme jeune fille pour le syndicat, le droit des femmes. Enfin, elle était toujours, avec sa générosité, engagée dans les combats aussi, dans la vie politique. Mais alors là, Hitler, elle savait bien qu'elle était condamnée, elle voyait bien les signes d'antisémitisme. Mais donc, elle sert comme le chanoine Schwind avant disait qu'elle avait un rôle irremplaçable dans le monde, qu'elle était très intelligente, qu'elle donnait des conférences remarquables, qu'elle pouvait aider beaucoup de gens qui cherchaient. Et c'est au moment où on lui a dit qu'on ne pouvait plus la garder à l'Institut
qu'elle a été au Carmel de Cologne, se présenter. Malgré son âge, elle avait déjà 43 ans, elle a été admise, et alors là, ça a été la rupture dramatique avec sa famille. Est-ce que ce n'est pas aussi, à ce moment-là, une rupture avec toute la vie philosophique, parce que il est impensable qu'une carmélite puisse continuer une carrière de philosophe et Oui, ça, c'était la rupture avec tout, c'était le don absolu. Sa mère s'est vraiment écroulée, elle a passé 2 mois dans la maison maternelle, qui était très très dure, et surtout là, chez ses sœurs, et surtout certains de ses beaux-frères, on a cru que c'était une fuite. On a cru qu'elle allait au Carmel pour se protéger contre la persécution qui menaçait les Juifs. On n'a pas du tout compris, ce qui était extrêmement douloureux. Et elle n'avait pas la moindre idée qu'au Carmel, le provincial des Carmes, 2 ans après son entrée, lui demanderait de reprendre sa grande œuvre, puisque c'est au Carmel qu'elle a écrit de l'être fini et de l'être infini. Elle a écrit sa plus grande œuvre philosophique au Carmel et aussi une œuvre sur Saint-Jean de la Croix qui est restée inachevée. Donc vous estimez que le fait... Mais elle ne le pensait pas, elle pensait qu'elle abandonnait tout. Le fait d'être carmélite n'a pas éteint cette... Absolument pas, simplement elle pensait, elle, qu'on ne l'autoriserait pas à continuer à écrire. Et elle acceptait ça. Elle a complètement, c'était le don radical. Et un don radical et en même temps cette espèce d'entrée dans la lumière de Dieu où... Je sais qu'une partie de sa correspondance a été brûlée de crainte de perquisition nazie après son départ du Carmel de Cologne pour la Hollande, mais je n'ai pas trouvé une lettre dans celle qui subsiste. Elle a encore une amie bénédictine en vie sur Aldegonde que j'ai revue au jour de sa béatification par Jean-Paul II, qui a 90 ans, qui est celle qui a le plus de documents. Il n'y a pas une lettre où il y a un retour sur elle-même. Elle s'est plongée entièrement dans le mystère de Dieu. Et elle devra quand même quitter l'Allemagne pour aller vivre en Hollande. Et la persécution nazie continue, et au moment de la fameuse nuit de cristal, où on a brûlé une synagogue, massacré les Juifs, et surtout parce qu'on était venu faire voter les carmélites à domicile, et qu'elle n'avait pas le droit de vote, puisque sur sa carte d'identité, il y avait le J juif. Alors quand on demande pourquoi est-ce que la sœur Edith Stein n'a pas voté, la prieure répond, elle n'est pas arienne. Alors à partir de ce moment-là, elle sentait qu'elle pouvait attirer une persécution sur le Carmel, et elle est partie à la fin de cette année-là pour le Carmel de Hecht en Hollande, qui était une fondation du Carmel de Cologne, accompagnée par un médecin. Ils ont voyagé de nuit, ils sont arrivés là au lendemain de Noël, et elle a eu encore quelques années d'existence, pas beaucoup, parce que les Allemands ont envahi la Hollande, les persécutions antisémites ont repris avec les nazis en Hollande, et c'est au moment où il y a eu une protestation très courageuse et très vive des évêques hollandais, des ministres protestants, lus dans toutes les églises et les temples de Hollande contre la manière dont les Juifs étaient persécutés, que le Gaulater Seyss-Inquart a ordonné qu'on arrête tous les religieux et religieuses d'origine juive qui jusqu'alors avaient été épargnés. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle prévoit l'Holocauste, oui. Elle prévoit donc ce qui va se passer, oui. Mais finalement, elle ne cherche pas tellement à échapper. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour échapper. Ça avait beaucoup frappé Marou, oui. Qui était un grand historien de Saint-Augustin. C'était justement le fait qu'elle s'était offerte à Dieu en Holocauste pour la paix du monde et le salut de son peuple, mais elle a tout fait pour échapper. Elle s'est heurtée à la police nazie, et justement, Marou avait été très frappé parce qu'il disait qu'il y a des faux martyrs qui se lancent en avant puis ensuite régressent parce qu'ils n'ont pas la force, mais elle avait complètement accepté. Et quand on est venu la chercher au Carmel d'Echt avec sa sœur, elle a dit « Allons pour notre peuple ». Donc elle s'était vraiment offerte. Mais elle a même essayé encore dans le camp de triage, elle a écrit encore à son couvent, elle a encore télégraphié en Suisse. Jusqu'au dernier moment, elle a fait sur le plan humain tout ce qui est possible pour échapper, mais sur le plan profond et intérieur, elle avait compris que Dieu acceptait son sacrifice. Sans résignation pourtant, non, parce qu'il y avait de la joie. Ah oui, elle s'est unie à la croix du Christ. C'est une très très grande figure. À vous-même, qu'a apporté cette réflexion, cette fréquentation d'Edith Stein? Quand j'étais encore au Carmel, elle était comme une grande sœur. Et moi, je
Enfin, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un exemple extraordinaire. On ne sait jamais ce que vous apportent les sages, je pense qu'ils vous entraînent, malgré votre médiocrité, à aller chaque jour un petit peu plus loin. C'est la même chose pour le livre sur Guiquin qui est mort aussi. Oui, mais c'est ça qui m'étonne, c'est que vous partez d'une figure comme celle d'Edith Stein, qui est très forte, qui est très significative, qui est controversée, à quelqu'un qu'on a presque oublié, Vladimir Guiquin, dont le souvenir existe sans doute dans certains groupes, dans certains milieux, mais qui n'a pas cet impact actuellement. Ah ben, il n'a pas cet impact parce qu'il n'est pas connu, parce que c'est aussi un personnage extraordinaire, descendant des princes régnants de Moldavie et Valachie, son père ministre des Affaires étrangères, puis ambassadeur auprès à Constantinople, baptisé dans l'église orthodoxe, envoyé à Toulouse par sa mère avec son frère Démètre, c'étaient les deux enfants qui subsistaient d'une famille de 6 enfants, élevé au lycée de Toulouse, confié par la mère à une famille protestante de crainte qu'il soit influencé par les catholiques, donc se posant tout jeune le problème de l'unité de l'église, finalement devenu catholique à Rome à l'âge de 29 ans, et il a dit lui-même, je suis devenu catholique pour devenir plus orthodoxe. Il est entré comme ça dans l'église sans drame. Et sa mère était forcée d'aller voir Pie X, qui était pape à l'époque, pour lui demander qu'il ne devienne pas prêtre, tellement elle sentait que l'appel de son fils était profond. Alors il accepte, par amour pour sa mère, de ne pas devenir prêtre. Il est ordonné prêtre à Paris sous le double rite byzantin et latin à l'âge de 50 ans. Et dans ce groupe très fervent, Maritain, Massignon, Altermann, Claudel, tous les gens qui gravitaient autour de Matignon, il rédige la règle d'une fraternité d'hommes et de femmes, non consacrée par des vœux, ce qui existe maintenant dans la plupart des mouvements charismatiques, qui pourraient s'aimer à travers le monde pour être des témoins de l'amour de Dieu, qui est approuvée par Pie XI avant même qu'il y ait l'ombre d'une vocation, tellement Pie XI était d'accord. Donc pendant qu'il ébauche cette fondation dans une abbaye en ruine où il n'y a pas un sou, il crée une antenne à Villejuif, dans la banlieue ouvrière chez les chiffonniers, où il habite une espèce de roulotte et où il convertit les gens d'une façon... C'est la première fondation en milieu de la zone qui a été créée. Et puis naturellement, les épreuves ne manquent pas, les jeunes gens qu'il avait rassemblés étaient très divers, l'évêque de Langres qui était très... compréhensif demande de mettre fin à la fondation des jeunes hommes qui se mêlaient un peu aux émigrés russes qui venaient à Aubry. Enfin, il y avait toutes sortes de petites histoires. C'était invivable au point de vue matériel, parce qu'il n'a jamais eu le sens d'administrer de l'argent. Il avait donné sa fortune à son frère, il habitait rue de la Source chez les Bénédictins, mais il n'avait pas d'argent frais disponible. Donc il n'a jamais pu donner à cette communauté d'hommes et de femmes un cadre minimum, c'était vraiment la grande, grande pauvreté, puis avec un afflux de gens qui passaient là. Les gens qu'on a dû dissoudre d'ailleurs là, cette période. Ça a duré 6 ans. Ça a duré 6 ans, les jeunes gens sont repartis chacun de son côté, les jeunes filles sont entrées presque toutes dans des couvents, sauf Suzanne Marie Durand qui a essayé deux Carmels, où ça n'a pas réussi parce qu'elle avait une très forte personnalité, et qui est restée dans le monde et qui vit toujours à Lyon, chez des sœurs, où elle a paye sa pension, enfin elle a 91 ans, mais c'est une femme extraordinaire, elle a connu toute cette aventure d'Aubry. Et pour Guiquin, ça a été une espèce de nuit, parce qu'il était persuadé de répondre à une invitation du Saint-Esprit en formant ce qui maintenant existe partout. Oui. Je suis un petit peu audacieux en vous disant que quand on lit la biographie que vous avez donnée de Vladimir Guiquin, on a un peu l'impression d'un illuminé. Moi, je crois pas. Moi, je crois qu'il rapportait à l'Église catholique tout ce que nous avons perdu de la chaleur orthodoxe. C'était un homme comme un Staretz qui vivait en présence de Dieu, qui a toujours été sous le contrôle de ses supérieurs, que ce soit Mgr Chaptal à Paris, que ce soit Pie XI qu'il voyait fréquemment, qui est un espèce plutôt un prophète dans l'Église. Il y a des gens qui sont des grands serviteurs de Dieu qui n'ont pas le sens des finances. Ça, c'était son cas. Mais il a fait partout des conversions. Quand ensuite, il a été dans les congrès eucharistiques, ou qu'il a accompagné une fondation de carmélites à Tokyo, ou qu'il a prêché jusqu'à son dernier souffle l'amour de Dieu dans sa prison. Ce n'est pas un illuminé, c'était un ami de Dieu. Il va finir en prison. Il va finir en parce prison. Parce qu'il retourne en Roumanie au moment de la guerre avec l'idée de fonder un groupe qui vienne en aide aux lépreux abandonnés sur les bords. Parce qu'il avait rencontré des lépreux au Japon.
chez des amis de Maritain qui avaient fondé des hôpitaux pour lépreux, et il avait donné la communion à la messe de minuit. Il disait qu'on ne distinguait pas où poser l'hostie, tellement leur visage était défiguré. Ça l'avait bouleversé. Il a suivi des cours pendant 2 ans à l'hôpital Saint-Louis pour apprendre à soigner les lépreux. Il avait formé une équipe avec des médecins français. Il est parti en Roumanie 1 mois avant la guerre. Et naturellement, quand la guerre a éclaté, il n'était plus question de fondation. Il s'est occupé des réfugiés polonais en liaison avec l'Annonciature. Il s'est occupé d'étudiants catholiques et d'étudiants orthodoxes qui se tournaient vers le catholicisme. Il a fait une grande œuvre, toujours dans l'idée de rassembler l'Église avec l'Église unie, l'Église catholique de rite grec. Il a eu une certaine liberté pendant un temps parce qu'il était inscrit sur les listes parisiennes. C'est le cardinal Suard qui lui avait permis de rester en Roumanie, mais il était affecté à Paris, donc il n'a pas tout de suite été poursuivi. Mais à partir du moment de l'occupation russe et du gouvernement russe, il avait encore un ami, le président Paron, qui avait connu son dispensaire, qui d'ailleurs a nationalisé, si on peut dire, les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Tout le monde a été expulsé, ça a été repris. Mais enfin, qui lui avait laissé quand même une relative liberté. Et puis après la démission de ce président, il est tombé dans une... on est venu le chercher après la messe, soi-disant pour visiter les... un malade. Il est parti en soutane avec l'Eucharistie. Il a été jeté en prison à Bucarest, dans la prison Uranus. On l'a dépouillé. Dans les prisons communistes, à ce communiste. On l'a dépouillé de sa soutane et il est resté 11 mois en sous-vêtements. On ne lui a jamais rien donné d'autre. Quel âge avait-il à ce moment-là ? 78 ans. Et il a été battu et torturé parce que les enquêteurs communistes essayaient de faire parler les gens sous la torture, faire signer des aveux faux, etc. Et on l'a menacé de le pendre nu dans une avenue de Bucarest. Alors pour lui, c'était horrifié. Et on a fait 83 fois le simulacre de le pendre en mettant des anneaux de métal qui se fermaient et qu'on soulevait avec un bouton électrique. Et on arrêtait juste à temps pour qu'il ne soit pas étouffé. Ça a été un véritable martyr, lui. Oui, mais enfin, il a résisté. Il a même cru qu'il allait mourir. On lui a envoyé un faux prêtre. Il s'en est rendu compte. Il a refusé de se confesser. Quand il a comparu devant le tribunal révolutionnaire, le tribunal communiste, ils étaient 12. Il y avait 7 prêtres, je crois, et 5 laïcs, et il y avait des avocats d'office. Il y avait 4 avocats, il y avait un avocat pour 3 personnes. Alors, c'était un simulacre. On les amenait là, et quand son tour est venu, quand on appelait l'avocat chargé de le défendre, il s'est dressé. On lui avait rendu sa soutane. Il était maigre comme un clou. Il n'avait pas de chemise dessous, il avait une barbe embroussaillée parce qu'il avait les cheveux longs un peu comme un pop. Il s'est dressé en disant « Je vous interdis de parler en mon nom ». Alors le président a dit « Tu as le droit d'être défendu ». Il a dit « Je connais le droit, je me défendrai seul ». Enfin, il a tout le monde était suffoqué. Le prélat qui raconte cette histoire, Mgr Magès, qui maintenant vit en Allemagne, dit qu'il avait l'impression de Saint Jean-Baptiste devant Hérode, ce prophète sorti du tombeau. Enfin, comme... Alors, on dit évacuez-le. On n'a jamais pu l'arracher. Il se tenait à la barre. Il pesait pourtant 50 kilos. On n'a jamais pu le sortir. On a évacué toute la salle. Et le procès a repris sans lui. Il a été condamné à 3 ans de forteresse comme espion du Vatican et aliéné mental. Et il est mort d'épuisement. Il est arrivé en prison toujours sans rien, puisqu'on l'avait de nouvelles. Ce sont les prisonniers. Il est arrivé dans une pièce où il y avait 45 personnes. Ce sont les prisonniers qui ont dit « Mais qu'est-ce que vient faire ce vieillard ? C'est un saint d'iconostase. » Certains connaissaient le nom d'Egica, d'autres avaient été convertis par lui. On lui a donné un pantalon, un chandail. Ce qui lui a fait le plus plaisir, c'est un peigne. Et là, il était au bout de ses forces, mais malgré tout, malgré le froid, le peu de nourriture qu'il partageait d'ailleurs avec les plus jeunes, tous les jours, il parlait une demi-heure aux prisonniers, il leur racontait des histoires sur ses voyages à travers le monde, les congrès eucharistiques à Buenos Aires, le voyage au Japon, la rencontre avec l'empereur du Japon, qui est une histoire assez extraordinaire, puisqu'il avait un ami, l'amiral Yamamoto, qu'il avait présenté, qu'il avait connu chez Maritain, et qui avait pris une audience pour lui avec le Mikado. Alors il voulait apprendre que Dieu te bénisse en japonais. Alors il lui a dit, c'est complètement inutile, parce que le Mikado, c'est Dieu. Alors il apprend que le Tout-Puissant le bénisse. Et puis la conversation se déroule très bien en français, le Mikado très civilisé. Et puis
À la fin, le Mikado dit « Un gros chagrin pèse sur ma vie ». Quoi, dit Monsieur Agika avec... Eh bien, au Japon, les femmes ne comptent pas, je n'ai que des filles et je voudrais un fils. Alors Monsieur Agika, avec une assurance totale, dit « Je prierai Dieu pour qu'il vous exauce, se lève, le Mikado se lève et lui trace un signe de croix sur le front en disant en japonais que le Tout-Puissant te bénisse ». Alors il y a des gardes qui sortent ça au clair pour cet impudent qui a osé toucher et bénir le Mikado, mais tout finit bien. Le plus extraordinaire, c'est qu'il raconte cette histoire en prison, et un an après, le Mikado a un fils. Mais il croyait tellement, il avait une telle foi, il a fait des quantités de guérisons, il avait toujours sur lui une petite relique de la Sainte Épine que lui avait donné le cardinal Verdi au moment où le reliquaire s'était cassé. Il attribuait tout ce qu'il faisait de bon à cette petite relique, et il l'a encore eu chez lui. Il l'avait encore sur lui cousu, je ne sais pas où, mais on ne l'a pas retrouvé après sa mort. Enfin, il est mort absolument comme un saint, d'abord essayant d'illuminer un peu cet univers par des récits de voyage, et ensuite parlant d'une façon extraordinaire de Dieu et de l'amour de Dieu à ces pauvres gens, et récitant avec eux le chapelet, parce qu'il y en avait qui avaient une... Il a eu cette phrase extraordinaire. Enfin, il leur a dit, au fond, nous récitons le rosaire avec les mystères joyeux, douloureux et glorieux qui sont l'histoire de l'avenue de Dieu parmi nous, mais la Sainte Vierge fait la même chose avec nous. Elle épelle avec nous les mystères joyeux, douloureux, glorieux de notre vie, puisqu'elle est au ciel, intercédée pour que nous soyons, que nous nous retrouvions. Et il y a des phrases absolument extraordinaires. Il est mort comme un saint, et d'ailleurs, les prisonniers l'ont très bien senti. Élisabeth de Miribel, je vous remercie. Rappelons qu'Élisabeth de Miribel, diplomate, a publié « La mémoire des silences », une biographie captivante de Mgr Vladimir Gika, parue chez Fayard en 1987. Élisabeth de Miribel nous a aussi entretenu d'Edith Stein, dont elle a écrit la vie comme l'or purifié par le feu. C'est paru chez Plon. Enfin, Élisabeth de Miribel a publié aussi chez Plon son autobiographie « La liberté souffre violence ».